L'odeur âcre de la fumée, le rugissement puissant de la détonation, la sensation du recul dans l'épaule. Le tir à la poudre noire est une expérience sensorielle unique qui transporte les tireurs à une époque révolue. Mais derrière cette fascination pour l'armement ancien se cache une science complexe, la balistique de la poudre noire. Comprendre les principes qui régissent le mouvement du projectile, de la combustion de la poudre à l'impact sur la cible, est essentiel pour tout chasseur ou tireur sportif souhaitant maîtriser cette discipline exigeante. Cette vidéo explore en profondeur la science de la balistique de la poudre noire, en décortiquant chaque étape du processus et en analysant l'influence des différents facteurs sur la précision et la puissance du tir. Que vous soyez un novice curieux ou un tireur expérimenté, ce guide complet vous permettra d'approfondir vos connaissances et d'optimiser vos performances. La poudre noire, un explosif ancestral. La poudre noire, également connue sous le nom de poudre à canon, est l'un des plus anciens explosifs connus de l'humanité. Inventée en Chine il y a plus d'un millénaire, elle a révolutionné l'art de la guerre et de la chasse. Sa composition, relativement simple, est restée pratiquement inchangée au cours des siècles. Salpêtre, nitrate de potassium, fournit l'oxygène nécessaire à la combustion. Charbon de bois, agit comme combustible. Soufre, stabilise le mélange et facilite l'inflammation. Le processus de fabrication de la poudre noire est crucial pour ses performances balistiques. Les ingrédients sont soigneusement broyés et mélangés, puis granulés pour obtenir une poudre de la taille et de la forme souhaitée. La granulométrie de la poudre influence directement sa vitesse de combustion et la pression générée lors de la déflagration. La combustion de la poudre noire. La combustion de la poudre noire est une réaction chimique exothermique qui transforme la poudre solide en un grand volume de gaz chaud. Ces gaz, principalement composés de dioxyde de carbone, d'azote et de vapeur d'eau, exerce une pression intense sur les parois de la chambre de combustion et propulse le projectile hors du canon. La vitesse de combustion de la poudre noire dépend de plusieurs facteurs, notamment granulométrie, une poudre fine brûle plus rapidement qu'une poudre grossière. Composition, la proportion de chaque ingrédient influence la vitesse de combustion. Humidité, l'humidité ralentit la combustion et réduit la puissance de la poudre. Confinement, plus la poudre est confinée, plus la combustion est rapide et intense. Balistique intérieure, voyage au cœur de l'arme. La balistique intérieure étudie les phénomènes qui se produisent à l'intérieur de l'arme, de l'amorçage de la poudre à la sortie du projectile du canon. C'est une phase cruciale qui détermine la vitesse initiale du projectile et sa stabilité. 1. L'amorçage, l'amorce, une petite charge explosive sensible au choc, est percutée par le chien de l'arme et enflamme la charge de poudre principale. 2. La combustion, la poudre noire brûle rapidement, générant un volume important de gaz chaud qui exerce une pression croissante sur le projectile. 3. L'expansion des gaz, les gaz propulsent le projectile le long du canon, lui conférant une accélération progressive. 4. La sortie du canon, le projectile quitte le canon avec une vitesse initiale déterminée par la pression des gaz, la longueur du canon et le poids du projectile. Facteurs influençant la balistique intérieure. Type de poudre, granulométrie, composition, qualité. Charge de poudre, quantité de poudre utilisée. Projectile, poids, forme, matériaux, ajustement au canon. Arme, longueur du canon, type de rayure, état général. Amorçage, type d'amorce, force de percussion. Balistique extérieure, le vol du projectile. Une fois sorti du canon, le projectile est soumis aux lois de la physique et entame son vol vers la cible. La balistique extérieure étudie la trajectoire du projectile, sa vitesse, sa stabilité et son énergie. 1. La trajectoire. La trajectoire du projectile est une courbe parabolique influencée par la gravité, la résistance de l'air et la force du vent. 2. La vitesse. La vitesse du projectile diminue progressivement en raison de la résistance de l'air. 3. La stabilité. La stabilité du projectile est assurée par sa rotation, conférée par les rayures du canon. Une rotation adéquate permet au projectile de maintenir sa trajectoire et d'atteindre la cible avec précision. 4. L'énergie. L'énergie cinétique du projectile diminue progressivement en raison de la résistance de l'air. L'énergie résiduelle à l'impact détermine le pouvoir d'arrêt du projectile. Facteurs influençant la balistique extérieure. Vitesse initiale, déterminée par la balistique intérieure. Forme et poids du projectile influencent la résistance de l'air. Conditions atmosphériques, vent, température, altitude, humidité.
angle de tir, influence la portée et la trajectoire. La précision du tir à la poudre noire. La précision du tir à la poudre noire dépend d'une multitude de facteurs, allant de la qualité de la poudre et du projectile à la maîtrise du tireur. Facteurs liés à l'arme et aux munitions. Qualité de la poudre, une poudre homogène et bien dosée assure une combustion régulière et une vitesse constante. Qualité du projectile, un projectile bien ajusté au canon et de forme aérodynamique améliore la précision. État de l'arme, un canon propre et en bon état garantit une trajectoire précise. Réglage de l'arme, les organes de visée doivent être correctement réglés pour garantir la précision du tir. Facteurs liés au tireur. Position de tir, une position stable et confortable est essentielle pour une visée précise. Contrôle de la respiration, une respiration régulière permet de stabiliser la visée. Détente, une détente douce et contrôlée évite les mouvements parasites qui peuvent dévier le tir. Expérience, l'expérience et la pratique permettent d'améliorer la maîtrise du tir. La sécurité avant tout. La manipulation de la poudre noire et des armes à feu anciennes nécessite une vigilance accrue et le respect scrupuleux des règles de sécurité. La poudre noire est un explosif sensible au choc, au frottement et à la chaleur. Consigne de sécurité. Manipulez la poudre noire avec précaution. Évitez tout contact avec des sources de chaleur, des étincelles ou des flammes. Stockez la poudre noire dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Utilisez uniquement des armes à poudre noire en bon état et conçues pour ce type de poudre. Portez des équipements de protection individuelle, lunettes de sécurité, gants, protection auditive. Ne fumez jamais à proximité de la poudre noire. Ne pointez jamais une arme, chargée ou non, vers une personne. Avant de charger une arme, assurez-vous qu'elle est déchargée et que le canon est propre. Après le tir, déchargez l'arme et nettoyez-la soigneusement. Application moderne de la poudre noire. Bien que supplantée par les explosifs modernes dans les applications militaires, la poudre noire conserve une place de choix dans plusieurs domaines. Chasse, de nombreux chasseurs apprécient le défi et l'authenticité de la chasse à la poudre noire. Tir sportif, le tir à la poudre noire est une discipline sportive exigeante qui requiert précision et maîtrise. Reconstitutions historiques, la poudre noire est utilisée pour les reconstitutions historiques et les spectacles pyrotechniques. Artisanat, la poudre noire est utilisée dans la fabrication de certains feux d'artifice et pétards. Conclusion. La balistique de la poudre noire est une science fascinante qui combine histoire, chimie, physique et technique. En maîtrisant les principes fondamentaux, les chasseurs et tireurs peuvent non seulement améliorer leur performance et garantir leur sécurité, mais aussi apprécier pleinement l'expérience unique du tir à la poudre noire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.